30 mai 2016, 30 mai 2021, 5 ans, jour pour jour, depuis que le Parti Action Congolaise pour la Tolérance et l'Égalité, ACT, a reçu son agrément. Voilà ce qui justifie cette messe d'action des grâces à la paroisse Saint-Hippolyte de Bandundouville dans cette ambiance mariale. Une célébration eucharistique qui a connu la présence du professeur Michel Balabala Kasongo, président national et initiateur de l'acte, accompagné de sa très tendre et charmante épouse Dorothée Mikula, avec les cadres et militants de l'acte venus de tous les coins de la République démocratique du Congo. Dans son homélie, l'abbé Arnold Obelinfo, vicaire de la paroisse Saint-Hippolyte, a vanté les qualités et actions de ce parti qui est né à Bandundouville avant de les inviter à l'unité tout en travaillant pour l'intérêt du peuple. Il s'en est suivi la matinée politique et culturelle dans la salle Saint-Hippolyte, pleine comme un œuf, à telle enseigne que ceux qui étaient dehors étaient plus nombreux que ceux qui ont réussi à prendre place dans la salle, car il fallait être musclé pour y accéder. Prenant la parole, le professeur Michel Balabala Kasongo a appelé tous les militants et cadres de son parti à dresser leur front pour 2023 afin de gagner, tambour battant, beaucoup de sièges, car l'avenir appartient à l'acte. Tous les partis peuvent manquer un député ici, sauf un. Sauf un. Parce que d'abord, ACTE, c'est le premier parti de la ville de Bangui. Notez que c'est par la remise d'un trophée au premier acteur de l'acte, Michel Balabala Kasongo, qui ne cesse de briller par l'excellence, par l'onje et par les Mozindo, et l'adhésion de l'honorable Désiré Iyemvela Eminga au parti de l'équilibre dans une ambiance très festive.